Ça y est, nous sommes le 24 décembre, donc la série des vlogs commence, je suis super contente. Si vous avez suivi mes vidéos l'année passée, pareil, j'avais commencé à faire des vlogs à partir du 24 décembre. Donc ça y est, le réveillon c'est ce soir, vous savez même pas à quel point je suis pressée. Enfin bref, là je pars chez le coiffeur parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. J'ai des racines de fou, mes cheveux sont secs, enfin, c'est une horreur. Donc là, je pars chez le coiffeur et après il me reste quand même pas mal de trucs à faire. Là il est 9h, il me semble 9h, c'est ça. Je suis levée depuis 5h30, j'arrivais plus à dormir, j'étais morte pourtant, mais bon. Enfin bref, je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du coin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go. Donc, il est très tard, il est midi 21. Autant vous dire que ça a pris 1000 plombes au coiffeur. Donc là, je sais pas si on voit très très bien. Je vais aller dehors. Hop. Oui, dehors, on verra mieux. Donc, j'ai changé la couleur. En fait, avant, j'étais un peu rouge comme ça et je commençais à avoir plein de racines. Je sais pas si on voit grand chose. Donc, je suis repartie sur ma couleur d'origine. Et elle m'a fait des boucles, mais elle commence déjà à tomber. Enfin bref, ça a été la grosse galère parce qu'en fait... elle m'a d'abord fait une première couleur. Et elle n'a pas prise, mais du tout, du tout, du tout. Donc en fait, j'ai dû repasser une deuxième fois. Ils m'ont refait une deuxième couleur. Ça a brûlé à mon crâne, mais je vous laisse... Enfin... Je vous laisse imaginer, hein. Donc ça a brûlé à mon crâne et tout, et au final ça a plutôt pas mal pris. J'ai encore des reflets rouges, mais la nouvelle couleur elle a plutôt pas mal pris. Et les boucles, bah voilà quoi, ça va. D'un côté elles tiennent plutôt pas mal, mais de ce côté là, commence un peu à tomber. Mais enfin, du moment que j'ai un peu le mouvement pour ce soir. Par contre, ça m'énerve. Je sais pas si vous, ça fait ça aussi, tous les cheveux comme ça qui s'électrisent. Vraiment, ça m'énerve. Mais enfin, bon. Donc voilà, donc il est super tard. Là, je vais aller rejoindre Mathilde pour manger. D'habitude, j'y vais à midi, mais là, comme ça a traîné en longueur, je vais y aller maintenant. Et quand je reviens, j'ai encore les valises à faire et tout. On doit partir pour 4 heures. Donc je vais devoir speeder. Enfin bon, sur Bordeaux il n'y a pas beaucoup de monde, ça se voit qu'on est le 24. Enfin, tout le monde doit être déjà parti dans la famille ou quoi. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc je suis désolée, ce matin j'ai pas énormément vlogué, mais bon, j'étais chez le coiffeur, donc en même temps rien de spécialement intéressant. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous embrasse. Me revoilà les filles, donc je viens de rentrer, il est 13h30. Et je suis entrée pile poil à temps parce qu'en fait le livreur était dans la maison d'en face pour déposer des colis qui m'étaient destinés. Donc je savais que j'en attendais un, mais j'en ai deux. Donc le premier c'est le concours que j'ai gagné, donc la boîte elle est quand même bien grosse. C'est le concours que j'ai gagné sur la chaîne de Morgan et Marine. Donc... concours qui avait eu lieu il y a un moment déjà, et donc du coup j'attendais le colis. Je suis super contente de l'avoir reçu, il est vachement lourd, je sais plus trop ce qu'il y avait dedans, mais j'ai hâte de l'ouvrir. Et le deuxième c'est un colis de ma soeur, alors ça je m'y attendais mais pas du tout. Donc j'ouvre tout ça et puis bah, on va le faire ensemble. Alors, on va commencer par le premier colis. Je suis désolée, c'est le bazar autour, mais comme j'allais préparer les valises, du coup, il y a tout le linge qui est là. Alors, je trouve comment ça s'ouvre. Normalement, il y a une languette. Mais je ne la trouve pas. Pas super. Ah bah, c'est tiré pour ouvrir. C'est parce qu'en fait, j'avais mis le collier à l'envers. Je suis vraiment nulle. Enfin bref. Donc, voilà le petit
concours que j'ai gagné. Oh là là, je me souvenais plus qu'il y avait autant de choses. Alors, pour commencer, il y a des cookies Bonne Maman tout chocolat. Donc ça, par contre, c'est Mathilde qui va les manger, je pense, parce que comme j'aime pas le chocolat. Mais en tout cas, enfin, je sais que Bonne Maman, c'est des super bons gâteaux. Donc, elle va aimer, ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a de chez Deux Sanges, une huile sublime nutrie régénérante. Donc pour les cheveux dénaturés. Donc moi, enfin, je suis contente qu'il y ait ça dedans. Ça va permettre de tester un nouveau produit. Et puis je mets souvent de l'huile dans mes cheveux. Donc c'est cool pour les cheveux surbrochés, défrisés ou décolorés. Moi, ça peut être pas mal. Hein. Je suis pressée de tester celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une eau nettoyante apaisante de chez Nyxa. Donc Nyxa, ce n'est pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, c'est pareil. Ça sera l'occasion d'essayer. Donc ça démaquille le visage et les yeux. Et ça rafraîchit et apaise. Donc ça peut être pas mal. Peau sensible. Donc c'est cool. Parce qu'en hiver, c'est vrai que j'ai la peau plutôt sensible. Donc je vais essayer. En plus, je venais tout juste de me racheter du démaquillant. Mais bon. C'est pas grave, au moins ça sera un nouveau truc à tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une huile de douche orientale. Ah, ça c'est super. Alors, je suis une grande fan de gel douche, donc ça c'est top. Ça vient de chez Yves Rocher et tout ce qui est senteur hammam et tout. Mais là, on a le gel douche, le petit marseillais, lait d'amande douce. Alors ça, mais le lait d'amande douce, c'est juste une tuerie. Oh mais ça sent juste trop bon. Oh là là, je l'avais jamais essayé celui-là. Et je sais que l'amande douce, ça sent super bon. Et là, je suis vraiment contente. C'est une tuerie. Donc encore un gel douche. Ultra contente. J'en vois un autre ici. Alors celui-là, franchement, mais en plein dans le mille. Le gel douche Cottage à la fleur d'oranger. Mais je l'adore, mais juste terriblement. Il sent, mais... Trop bon. Oh là là, c'est une tuerie. Celui-là, franchement, les gels douches de la marque Cottage, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. C'est vraiment des gels douches que j'adore et la fleur d'oranger, mais par-dessus tout, quoi. Donc, je suis vraiment contente. Ça sent vraiment bon. Donc ça, super, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits cups comme ça de chez Sephora. Donc, il y en a 4, visiblement. Donc, il y en a un au chocolat. Il y en a un autre, je crois que celui-là, c'est Lagon. Ouais, c'est ça, Lagon. Ensuite, on a thé vert. Et on a fraise. Eh bien, écoutez, c'est super. Ça sera l'occasion d'essayer aussi. Parce que ces petites capsules de chez Sephora, je ne les ai jamais essayées. Donc je suis super contente. Désolée, il y a Dory qui aboie. Je sais pas sur quoi, mais elle aboie en tout cas, ça c'est sûr. Dory! Ensuite, donc oui, je disais, ça sera l'occasion d'essayer parce que j'ai jamais essayé les petits cups de chez Sephora. Donc c'est pour le bain. Ah non, même pas. Je me suis trompée. C'est même pas pour le bain. C'est une crème de douche. Ah, c'est cool. En fait, c'est vraiment le petit échantillon à utiliser une fois. Mais au moins, t'as le choix des senteurs, quoi. Ah, je suis vraiment contente. Je n'avais pas vu. Ensuite, on a... alors, ça, je connais pas du tout. Donc, c'est un eyeliner de chez Rimmel. Il a l'air cool. Un gel eyeliner. Donc, avec le petit pinceau. Et le petit pot de liner, ça a l'air vraiment sympa. Hein. Je suis pressée d'essayer ça. J'ai jamais essayé cette marque, ça sera l'occasion. Je suis vraiment contente. Le maquillage, de toute façon, on n'en a jamais assez. Ensuite, ici, on a une trousse, alors, de la marque Garancia. Je ne connais absolument pas, mais en tout cas, dedans, il y a plein de produits. La pochette, elle est trop mignonne. Elle est toute dorée avec un petit bouton rose. Elle est mais trop jolie. Mais je ne connais pas ces produits. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a, alors, visiblement, c'est un spray, une eau démaquillante. Donc, juste là, c'est une eau démaquillante micellaire. Donc, en spray, on dirait. Ensuite, à côté, on a une eau de beauté.
Ça a l'air pas mal aux essences magiques, embellisseuses de teint et embaumantes. Bah dis donc. Ensuite, à côté, on a une crème d'eau, anti-âge bonne mine. Ensuite, tout à droite, là, on a. Je vais mettre comme ça parce qu'il ne me fait pas bien la mise au point. Ici, on a anti-peau de croco, nourri et hydrate 24 heures. Ben ça, encore une fois, c'est cool pour l'hiver. Parce que j'ai vraiment la peau sèche en hiver. Donc c'est vraiment l'occasion. Donc là, ce que je disais, la crème d'eau, l'eau de beauté, le démaquillant micellaire et le petit pot, par contre, je ne vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une crème métamorphosante, redensifiante, anti-âge. Mais écoute, à tester, hein, ça a l'air pas mal quand même, hein. Je connaissais pas du tout cette marque. Et ça sera l'occasion de tester encore une fois. Je suis vraiment contente. Il n'y a vraiment que des chouettes trucs. Ensuite, on a un super beau collier. Alors là, il tombe pas trop trop mal, franchement. Je pense que je vais le mettre ce soir pour la tenue de réveillon. Alors ça, c'est génial. Donc, il vient de Primark. Il est juste trop beau. Il a l'air vachement long et tout. Oh, je l'adore. Il est trop beau. Pourtant, je suis pas une fan du doré, mais là il est vraiment beau avec une robe, ça va faire super joli. J'ai hâte de l'essayer, vraiment. Et ensuite, on a un kit de pinceaux, et ça, des pinceaux, on n'en a jamais assez. Ils sont beaux, roses et dorés comme ça à paillettes. Oh, tout ce que j'aime, des paillettes et du rose, voilà, et des pinceaux, ma vie. Non, franchement, ils sont super beaux. Donc voilà le concours que j'avais gagné donc sur la chaîne de Morgane et Marine. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien vers leur chaîne, Là, j'ai fini etc. d'ouvrir le colis de Morgane et Marine. Je tenais encore à vous remercier. Franchement, c'est super gentil. Je ne m'attendais pas du tout à gagner. Et franchement, les produits dedans, enfin, il y en a que j'adore. Et il y en a d'autres que je ne connais pas. Donc, ça sera l'occasion de les tester. Et encore, merci, merci, merci. Et je vous souhaite plein de belles choses Moi, sur YouTube. Je les je adore. Donc voilà, je suis super contente d'avoir gagné ce petit concours. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture de l'autre colis, celui de ma sœur. Donc là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il a l'air quand même lourd aussi. Bon, on verra si je ne me suis pas fait avoir. J'ai tiré la languette au lieu de me tuer les doigts. Hop! Oh, c'est trop trop beau. Alors ça, c'est mon neveu. C'est une photo de mon neveu. Il est trop beau. Avec une jolie carte. Ah, oh, c'est trop mignon. Bonne fête, bonne fête. Avec des jolis cadeaux. Alors, il y a pour moi, ici. Et il y a aussi un cadeau pour Mathilde. Donc ça, c'est Mathilde qui va le déballer. Ouh là là, c'est lourd ça. Dis donc, un gros cadeau. Donc moi, je vais déballer le mien. Et puis, je laisserai plaisir à Mathilde de déballer le sien. Ouh là, il y avait un manque de papier cadeau là. Enfin. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh là là, mais t'es folle! Elle est folle, je vous jure, elle est folle! Ça fait un peu la meuf excessive, mais genre, enfin, c'est la marque de ma vie. Oh là là, c'est juste trop beau! Et là, je secoue dans tous les sens et vous voyez rien! Oh là là! C'est un coffret de la marque Benefit. Alors attendez, je vais le poser correctement sur la table. Hop! Donc c'est un coffret de la marque Benefit. Oh! Et il est juste, mais trop, trop beau. Il y a mon mascara fétiche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais tu es folle, t'es folle, t'es folle. Il y a, alors, oh, je connais pas tous les produits, mais je crois que ça, c'est des blushs. Ça, c'est pareil, ça doit être un blush. Oh là là, life. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là, mais t'es folle, c'est juste trop beau. Comment je m'attendais
pas à ça, mais pas du tout, quoi. Franchement, merci, 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 quoi. Je suis super contente. C'est trop beau. Mais du coup, moi, je suis pressée de savoir c'est quoi celui à Mathilde. Oh, j'ai envie de l'ouvrir. Non, ça se fait pas, hein. Mais ça barloque là-dedans, hein. Ça barloque. En tout cas, franchement, Sylvie, je sais pas si tu vas faire comme l'année passée, que tu vas regarder mes vlogs au petit déjeuner, comme tu faisais l'année passée. Mais en tout cas, merci à toi et à Fred. Et tu feras un gros bisou à Valentin. Il est trop mignon sur sa petite photo. Franchement, je suis super contente. Et puis, mais dès que Mathilde a ouvert le sien quand elle rentre du travail, et ben, je t'envoie un petit Alors voilà message. ici, je viens de terminer de déballer les colis, comme vous venez de le voir. Et donc j'ai été mais genre trop gâtée. J'étais pressée d'être là ce soir pour donner et recevoir des cadeaux parce que j'en peux plus. Et là d'avoir un avant-goût comme ça avec le concours et le cadeau de ma sœur, franchement je suis super contente. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. En plus, Benefit, c'est vraiment une marque que j'aime. Et là, c'est tout plein de petits produits que je vais pouvoir tester. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Et du coup, je suis pressée de voir c'est quoi le cadeau à Mathilde. Donc, je vais même pas attendre qu'elle rentre. Je vais directement le prendre. Et comme ça, quand je vais la chercher au travail, elle pourra l'ouvrir dans la voiture. Mais voilà, je suis vraiment contente. Là, maintenant, je vais ranger tout ça. L'heure a dû tourner quand même pas mal. Il est 13h46. Ça va. Je vais continuer d'aller faire les bagages. Donc ça va me prendre déjà quand même pas mal de temps. Je vais rassembler toutes les affaires, tous les cadeaux. Donc je vais aller faire tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Des bisous. Coucou les filles, me revoilà. Donc là je suis en route pour aller chercher Mathilde parce qu'elle quitte à 16h. Il est 15h56. Et ensuite on prend la route pour Pineuil. Franchement, j'ai tout juste eu le temps de faire ce que j'avais à faire. C'était un peu chaud quand même. Mais bon, j'ai réussi quand même. À la base, on devait partir directement, enfin juste aller récupérer Dory à la maison et puis partir directement. Mais au final, j'ai pas eu le temps de charger la voiture. Je suis désolée, ça tremble à cause des bosses. Hop, ça va retomber. Là, ça va tomber. Normalement, j'étais censée charger la voiture pour qu'on puisse partir le plus rapidement possible parce que j'aime pas trop conduire quand il fait nuit. Surtout sur les routes de campagne comme ça, après la Pineuil, j'aime pas trop. Donc là, on va partir au plus vite et puis on a surtout envie d'arriver vite pour commencer, pour continuer à aider Aline pour les préparatifs de Noël. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure dès qu'on est arrivé à Pinay. Je vous fais des bisous. Me revoilà ici. Nous sommes bien arrivés à Pineuil. On a déchargé toute la voiture qui était blindée de chez blindée. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour réussir à fermer le coffre. Donc voilà, là on va commencer à aller préparer les entrées, les trucs comme ça, les toasts, les verrines, etc. Je suis un peu dégoûtée, mes boucles elles n'ont pas super bien tenu. Mais bon, je vais essayer d'aller les refaire moi-même. Tout à l'heure, j'avais déjà un peu commencé. Donc bon, parce que là, ça fait un peu tout raplapla. On va faire ça. Et puis après, j'espère qu'on va vite manger parce que j'ai faim. J'ai faim. Allez, sinon, si vous voulez savoir, on a ouvert le cadeau à Mathilde. Et en fait, c'est un coffret avec 4 gels douche d'une marque anglaise qu'on ne connaît pas. On va attendre. Enfin, elle n'a pas encore ouvert, enlever le cellophane. Je vous dirai quoi quand on aura senti et voir ce que ça donne quoi, au niveau des odeurs et tout. Mais en tout cas, elle était super contente. On a été super gâtés. Et c'est pas fini. Je vous filme tout ça durant toute la soirée. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as
Voilà les filles, donc il est 2h du matin. Je suis morte. Je viens de me démaquiller, là je suis dans mon lit et je vais aller dormir parce que je suis claquée. Donc je vous dis à demain et je vous expliquerai toute ma soirée demain tranquillement, au calme et reposée. Et là je vous dis bonne nuit. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, donc ça y est, c'est Noël. Donc hier je vous ai dit au revoir assez rapidement parce que j'étais vraiment mais vraiment fatiguée, j'étais levée depuis super tôt et donc voilà, 2h, ça faisait un peu tard parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc au final on n'a pas fini entièrement le repas, on s'est arrêté à la dernière entrée. Donc aujourd'hui on va remettre ça, on va finir les restes de l'apéro, des entrées, parce qu'il reste quand même pas mal de choses, on avait quand même bien prévu. Et du coup, on va aussi manger le plat et le dessert. Donc voilà, on remet ça aujourd'hui. Là, il est quasiment midi. Et donc, on vient de déjeuner. Enfin, c'est un peu une journée à la cool. On va passer la journée en famille, terminer le repas, etc. Donc sinon j'ai été ultra gâtée. Entendu, j'ai vraiment été gâtée. Et voilà, ça fait encore plein de choses. Plein de choses à tester, plein de nouvelles décos. Donc je suis vraiment contente. Donc là, on va aller continuer, je pense, à ranger la maison. Je vais aller me laver parce que là je suis en mode pyjama. Donc je fais ça et puis je vous retrouve. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 26 décembre, il est 11h15 et donc je fais juste une petite conclusion par rapport à la journée d'hier, parce que hier soir j'avais plus de batterie en fait quand je suis partie me coucher. Donc hier on a fait que manger. Donc hier quand j'étais couchée j'en pouvais plus. Mais bon, on a bien profité de notre 25 décembre, on a regardé des films de Noël, etc. Donc c'était vraiment sympa. Donc là aujourd'hui, on a des petites choses de prévues, mais ça va être relativement cool. Mais ça vous le verrez dans le prochain vlog. Donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Bisous.